Il nous fait rire très souvent sur l'antenne d'Europe 1, aux côtés d'Anne Romanoff, qui justement a mis en scène son spectacle Willy en grand. On va donc l'accueillir, le grand Willy Romelli. Willy Romelli, c'est un comique qui monte. Je ne sais pas si c'est aussi haut que sa voix, en tout cas c'est lui. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. On apprenne un peu à vous connaître. Moi c'est Willy, hein, pas Oui-Oui. Hein. Vous avez dit de te calmer. Regardez la photo du petit Willy. Franchement. Mais on dirait un ange si les gens savaient ce qui se cache, voyez comme quoi. Regardez ça. Merci. Depuis quelques jours, Patrick, je sors avec une femme cougar. Ouais, c'est pas beau. Ben ouais, c'est bien une femme cougar. Oh, elle est vachement bien. Elle a 68 ans et pas toutes ses dents. Oh. Il a une voix tellement surprenante. C'est vrai. Il a une écriture très particulière. Et puis, il a une énergie. Ouais. Mais il a une énergie incroyable. Et moi, je vais vous dire quelque chose, je ne lui ai jamais dit d'ailleurs. Ah. Je pense qu'un jour, le Cinoche fera appel à lui. Ouh là là, vous êtes très grande, hein, dis un donc. Petit peu, oui. Un petit peu, ouais. Oh là, je pourrais vous faire le maillot rien qu'avec les dents, dis donc. Bah, comment tu chantes, toi? Est-ce que tu chantes avec la même voix qu'avec celle avec laquelle tu parles? Là, j'ai la voix de Barry White quand je chante, évidemment. Là, c'est juste quand je fais des sketchs, je me mets des slips trop serrés, tu sais, histoire c'est, de... Oui. En même temps, c'est slim, ça, voilà. Je confirme. Oh, vous êtes coquet sur votre âge, quand même. Non, si, je suis comme Amanda Lear, moi, ni sexe, ni âge. Reste allongé, je vais te rallumer. Tu sais quoi, j'ose même plus sortir de chez moi. J'ai trop peur de rentrer, d'y voir Valérie Damido. Ah, l'autre avec sa salopette de lesbienne et son pinceau à la con, là. Celui qui a fait le plus rire que Carrier, que Canteloup, que vous, Titoff, Laurent, que vous. Et pire que moi. C'est ça surtout qui m'a fait. Les autres, à la limite. On s'en fout. J'étais même plutôt content. Mais que moi, c'est lui, et il a fait un tabac ce soir-là. Alors bravo, voilà, je le dis parce que vraiment, c'est vrai. Bah, attention, Willy, tu triches pas, attention, hein. Surprise. 1, 2, 3. Boucher. Pardon, soyez correct. Boucher. Ah, ça, c'est boucher. Ah, d'accord, boucher. La boucher. Ah, ouais, bah, boucher. Oui, bah, ouais, bah, boucher. Bah, boucher à la reine, boucher, boucher. Pertinent depuis boucher, le début. Boucher, boucher, boucher. Mais j'aurais adoré faire Pascal le grand frère, tu vois, j'aurais fait bah, Willy le petit frère. Tu vois. Alors, les gens, Willy, 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 vite, 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 il y a mon gamin de 12 ans qui m'a traité de salope. Quoi? Amenez-le-moi. Bon, et ben c'est que tu l'avais mérité, salope. Voilà. Poésie, poésie. Énergie. Oui. Vivant par l'aide à quanto sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma, mi è entrata dentro, c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Oh, vivo per lei e non è un peso. Tiens-tu cette énergie? Parce que alors, c'est, j'allais dire, de mieux en mieux... La les drogue, la cocaïne, les femmes, les prostituées, les... voilà, le showbiz. Christophe, malgré tout ce qu'on peut croire, je vous jure que fumer, ce n'est pas nocif. Vous savez, j'ai une amie... C'est très nocif. Mais pas du tout. J'ai une amie fumeuse depuis 35 ans. Oh, c'est très mauvais. Qui fume avec une régularité qui force le respect. Non, c'est très mauvais. Eh bien, tous les jours, elle me dit, eh oh, tu sais, la clope, ça m'a rien fait du tout, hein. Alors, donc, tu vois, ah oui, donc il n'y a pas de souci. C'est quand même rassurant. Très bien. Alors, quand tu sors avec une femme cougar, tu réalises le fantasme de millions de jeunes de banlieue, hein. Eux, ils disent nique ta mère, moi je le fais. Oh.